Bordeaux 20e accueille Montpellier 11e. Des Bordelais qui restent sur deux défaites après deux nuls. Bordeaux n'arrive pas à décoller. Une victoire seulement sur les 10 derniers matchs. Il va falloir essayer de gagner celui-ci avec Ellis, Mara et Wang titulaires en attaque. Montpellier de son côté a également du mal à s'imposer. Une victoire sur les 6 derniers matchs pour un nul et 4 défaites. Les Montpelliérains veulent profiter de l'état difficile des Girondins en ce moment. Wahi, Savanier, Mollet et Germain sont titulaires pour Montpellier. Le premier match entre les deux équipes avait été particulièrement spectaculaire. 3 buts partout entre Montpellier et Bordeaux il y a quelques mois. Cette fois-ci, le contexte est différent. Et Montpellier réussit à marquer le but du 1-0. Superbe but d'Eli Wahi à la 11e minute. Bien lancé par Jordan Ferry. Wahi va au bout de son action. Il se débarrasse de Gregersen avant d'ajuster Benoît Costil de retour dans le but des Girondins. 8e but de la saison pour Eli Wahi. Montpellier mène à l'extérieur. Les Montpelliérains continuent à se montrer. Florent Mollet récupère la balle. Le tir exceptionnel sans contrôle de Florent Mollet. 2-0 dès la 16e minute. Bien décalé par Germain. Mollet ne se pose pas de questions. Le tir instinctif est absolument parfait. 6e but de la saison pour Mollet. Bordeaux est déjà en grande difficulté avec 2 buts de retard dans cette rencontre. Et les Bordelais essayent de donner des ballons à leurs attaquants. Contact dans la surface. Et pénalty pour Bordeaux. Voilà de quoi se relancer. La faute de Nicolas Cosa à la 39e minute. Carton rouge pour le défenseur de Montpellier. Albert Ellis peut relancer son équipe. Mais mise en échec par Jonas Omlin. C'était pourtant une chance magnifique pour Bordeaux de revenir à 2 buts à 1 à quelques minutes de la fin. Une autre chance pour Bordeaux avec cette nouvelle intervention de l'arbitre. Et un carton rouge supplémentaire pour Montpellier. Le rouge pour Mihailo Ristić dans le temps additionnel de la première période. Bordeaux a 2 buts de retard mais va jouer toute la seconde période à 11 contre 9. Une situation rarissime. Les Bordelais vont essayer d'en profiter. Car à 9, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup d'équipes à 10 savent résister, mais à 9, en général, les équipes concèdent des buts. Montpellier résiste de manière héroïque aux assauts bordelais. Encore une chance ici, la parade, encore une fois, de Jonas Omlin. Les Bordelais n'arrivent pas à marquer le but et Montpellier tient le coup. Victoire de Montpellier à 9 contre 11 pendant toute la seconde période, 2-0 sur le terrain de Bordeaux.